Ce soir, nous sommes chez Artazar, un concept store dédié à l'image qui s'est installé en fait au bord du canal de Saint-Martin depuis 2000. À un mois de Noël, on a un livre assez extraordinaire qui est Tatouisme de Fred et de Chris. Je n'aimais pas le tatouage, je ne suis pas tatoué, mais il est vrai que le livre de Fred et de Chris m'a ouvert les yeux sur un panorama et des styles totalement différents qui sortent en fait de tatouage, des images d'Épinal dans lesquelles on a tendance à le mettre. Il y a des choses qui sont extraordinairement intéressantes et pour des gens qui aiment le graphisme comme nous, c'est un livre superbe. Pour nous, ça veut dire beaucoup parce que c'est un projet qu'on a initié tous les deux il y a 3 ans. En fait, il y a 3 ans, j'ai passé un coup de fil à Chris en disant « Tiens, ce serait bien qu'on fasse un bouquin sur le tatouage. » Et il n'a pas pris peur du fait de savoir que le mec qui l'appelait n'était pas tatoué. Il s'est dit « Voilà, on va tenter. » Et de fil en aiguille, on a quand même eu beaucoup de... Il y a quand même eu beaucoup de péripéties sur ce projet-là. Et 3 ans après, on le sort. Et il est très très bien accueilli, aussi bien par la presse que par les gens issus du milieu du tatouage, que par des gens issus d'autres milieux qui ont une certaine affinité artistique. Le fait est, quand j'ai lancé cette idée, ce projet d'un livre de tatou avec une certaine idée de base qui est de montrer ce que font les tatoueurs, donc aussi bien leur tatouage, les sketchs, les dessins, les peintures, les aquarelles et les objets customisés, etc. Ils ont été de suite très très emballés. Il y a eu un écho très favorable, aussi bien de la part donc de tatoueurs français que japonais, italiens, américains, canadiens et j'en passe quoi. 3 jours après avoir lancé l'idée du projet, je recevais déjà des images, des CDR remplis d'infos, d'images, de photos, etc. Donc ça a pris très très vite. La plupart d'entre eux me disaient qu'ils étaient très très contents parce qu'enfin il allait y avoir un livre qui allait s'occuper, qui allait montrer ce qu'ils font en dehors aussi du tatouage. De par son activité de rédacteur en chef de Rise et son historique sur le métier, c'est vrai que moi j'avais une approche, on va dire, un peu moins pointue, un peu plus large, à l'image de ce que je peux faire sur Trasher ou Juxtapose. Donc le choix des artistes, la collecte des éléments, des différentes photos, des différents éléments qui ont été fournis a été fait via Chris. Après on s'est consulté tous les deux par rapport à ce qu'on pouvait garder, pas garder. Et moi c'est vrai que j'ai plus un rôle, on va dire pour le coup, pour une fois un peu moins éditorial, mais plus à voilà, trouver un éditeur, communiquer sur le produit, gérer la maquette, gérer toute la partie retouche photo, parce qu'on voulait pas non plus passer pour des peintres. Ça faisait 2 ans qu'on disait à tout le monde on va sortir Tatouiste. Donc à un moment, il fallait quand même que le produit vive et existe. Et on a eu la chance de tomber sur un éditeur qui n'était pas celui qu'on serait allé démarcher au départ. Pas du tout. Ouais. Parce qu'il était absolument pas sur ce segment-là. Ce sont les éditions Belin, qui sont quand même spécialisées dans tout ce qui est ouvrage scolaire, scientifique. Mais ces gens-là sont aussi propriétaires d'un label qui s'appelle Hercher, qui est un label artistique, elle qui somnolait. Fort de l'intérêt qu'ils ont porté à Tatouisme, aujourd'hui on se retrouve avec Tatouisme qui est porte-étendard d'Hercher pour le relancement du label. Donc ils ont misé énormément dessus et ça nous fait d'autant plus plaisir finalement, c'est une double victoire quelque part, parce que se retrouver porte-étendard pour une société d'édition dont le métier n'est pas de faire initialement des livres d'art, ça prouve qu'eux aussi voient le potentiel et ont surtout compris la ligne éditoriale du livre. À partir du moment où vous avez une affinité vis-à-vis de l'art, que ce soit du graphisme, du graffiti, du design, c'est un livre qui peut vous intéresser. Nous, vraiment, l'idée, c'était de se dire, voilà, on vit dans un pays où généralement tout doit rentrer dans une case. Les livres de tatoueurs doivent être faits par des tatoués pour des tatoués. Non, nous, on a fait un livre d'art qui s'adresse à tout le monde. Le seul dénominateur commun, certes, au niveau du choix, c'est que tous les artistes sélectionnés sont des tatoueurs. Des tatoueurs. Donc juste par rapport au choix du nom du bouquin, du projet, en fin de compte, Tatouisme, c'est un peu un clin d'œil à toutes ces tendances et ces courants artistiques comme le symbolisme, le japanisme, le cubisme, l'avant-gardisme, l'expressionnisme, etc. Maintenant, on peut dire que du fait du travail présenté, du fait des styles, du fait des pattes de chacun et tout, on peut dire que maintenant, il y a Tatouisme. Et ce qui nous a vraiment intéressé, c'est cette ouverture et cet éclectisme aujourd'hui de ces artistes qui utilisent la peau comme support, mais qui en fait sont dans une grande tradition de voilà d'école d'art. Cette machine a été faite par Karl Marx, handmade.
pour cette soirée et tout, j'avais demandé de venir exposer des machines. Il m'a dit carrément, bah écoute, moi ce que je te propose, c'est de faire une machine originale, modèle unique, tatouisme. Voilà, donc c'est une vraie machine qui fonctionne, avec laquelle Karl a tatoué avec pendant 3 jours. Je suis vraiment super content, surtout qu'après je vais faire des ravages avec. L'idée de l'avoir faite spécialement pour le bouquin, spécialement pour la soirée, c'est parce que ça demande énormément de travail. Et Karl, tous les honneurs sont pour lui, quoi. Mille merci, Karl. Ben, c'est un logo qui a été réalisé en fait hier par Sadou, le Serbe, qui est un artiste tatoueur qui travaille chez Art Corpus à Paris. Il a fait ça au pochoir et à la main complètement. C'est un logo qu'il a fait pour nous, qu'on n'a pas pu utiliser pour le livre, en fait, puisqu'on avait déjà un premier logo qui était fait, mais qu'on utilise pour toute la communication. Il est vraiment super visuel. C'est un artiste qui, d'un point de vue calligraphique, est vraiment très, 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 très bon. Parce que c'est l'une des premières choses qu'on avait vues avec les gens d'Artazar, et essayer de faire un événement un peu différent, pas forcément se retrouver avec une affiche, un sticker, et le fait qu'on ait un artiste qui ait pris 5 ou 6 heures hier pour réaliser ça à main levée, c'est vraiment un super cadeau pour nous et signe d'un événement vraiment unique, je pense, ce soir. Voilà. Ce qui m'intéresse, moi, dans ce livre, c'est de faire parler les artistes. Donc, c'est de voir effectivement l'évolution du tatouage au travers de l'inspiration des tatoueurs eux-mêmes, mais aussi de voir l'évolution des dessins, des différentes inspirations et des tatoués eux-mêmes. Et le tatouage, on le sait, et toujours, même s'il descend maintenant, comme on dit dans la rue, et quand vous êtes sur la plage, vous voyez plein de gens tatoués, il doit rester transgressif, selon moi. Oui, tatoué, oui. J'en connais pas beaucoup des bouquins sur tatouage, j'en ai pas lu beaucoup, mais celui-là est plus, je trouve plus moderne. La façon dont on en parle, la façon dont on présente les tatoueurs, c'est un peu plus moderne. Je pense que c'est un livre que l'on peut regarder comme un livre d'art classique où on découvre les détails du travail, les photos sont très belles. Mais oui, effectivement, il y a des gens qui sont pas tatoués, qui n'ont rien à voir avec le tatouage et qui vont prendre plaisir à lire ce livre qui ne traite pas que du tatouage d'ailleurs, qui montre plein de choses. Voilà, tout ce qu'on peut faire, et c'est une première. Et je pense que s'ils vont un petit peu plus loin, je pense qu'il y a encore d'autres choses à montrer parce qu'on fait pas que ça non plus, donc oui. Ça va intéresser tout le monde. Je ne sais pas si c'est le premier, ou en tout cas ça doit être un bouquin important fait par des Français sur le tatouage. Probablement pas le premier, mais sûrement une référence bientôt. Non, moi je trouve que le bouquin il est super bien fait. Et ce qui est intéressant, c'est quand même il y a beaucoup d'exemples à chaque fois. Parce que souvent quand ils font des sortes de best-of, on a un dessin, deux dessins, mais... Mais bon, c'est pas suffisant pour se rendre compte. J'ai jamais vu en français d'ouvrage qui regroupe comme ça des artistes tatoueurs. Très bonne initiative. Ouais, très très bonne initiative. Je pense que ce sera collector dans pas longtemps. Je pense que c'est un bouquin qui va grimper. Et je pense que ça va être un tremplin pour eux pour pouvoir faire plein d'autres projets hyper intéressants, quoi. Et c'est bien justement que nous aussi, en tant que tatoueurs et artistes peintres ou graphistes ou des gens qui sont dans d'autres styles que le tatouage puissent avoir des supports comme ça, sérieux, avec une belle impression et tout, c'est super pour nous. Hein. Pour nous, c'est bien. Il y a un bel aperçu des croquis et des travaux des artistes. Donc ouais, c'est quand même un beau livre et une belle couverture, quoi. C'est bien travaillé. C'est pas juste un livre sur le tatouage, mais sur le tatoueur en lui-même, ça raconte sa vie. En plus, il y a plein de tatoueurs de différentes cultures, de différents pays. Donc voilà, je trouve que c'est bien et que le prix est correct et que l'idée est intéressante. Donc ouais, faut l'acheter. Là, je pensais qu'il aurait été plus cher en fait. Je pensais que j'aurais plutôt mis dans les 40-45 euros. Puis même le prix 30 euros, enfin, c'est très accessible pour un livre qui est vraiment très beau, une belle qualité, des belles images. Et je pense que du coup, c'est un beau cadeau de Noël.
Un bilan très positif. Et la grande nouvelle, c'est déjà que l'éditeur va en retirer 2000. Ah ouais. Ouais. Et bon, ça demandera confirmation, mais il semblerait qu'on sorte aux États-Unis, pareil, début 2012, ce qui est une excellente nouvelle pour nous, pour les artistes présents et pour le titre en général. Voilà. Ouais. Et aussi ça, tatouisme, on arrive à fédérer différents univers, des personnes de différentes origines. Donc ouais. On est très contents. Très positif. Ouais, et merci à vous tous de nous avoir suivis dans cette aventure. Il fait très froid, on va vous laisser. Et promis, la prochaine sortie sera en été.